Bonjour tout le monde. Merci d'assister à notre séance conversation anti-racisme, le mouvement Black Lives Matter et son impact au Canada, organisé par Expérience Canada. Je m'appelle Chandra Mings et je suis ambassadrice de la lutte contre le racisme pour Expérience Canada. Présentement, j'habite à Ottawa et je travaille comme spécialiste de développement professionnel à l'Université d'Ottawa, où j'ai des étudiantes avec leurs objectifs de carrière. Dans mon rôle, je vois les inégalités qui se manifestent sur le marché du travail et je fais mon mieux d'offrir du soutien aux étudiants pour surmonter ces défis. J'ai hâte de mener cette conversation. En fait, ce webinaire fait partie de la série de conversations « La vie des Noirs compte » et « Antiracisme d'Expérience Canada ». C'est produit en anglais et en français et la série vise à accroître la capacité des jeunes à s'engager dans des conversations contre le racisme. Et c'est une série d'événements en direct pendant 7 semaines. Chaque série est accompagnée de guides de discussion et matériel éducatif. Avec cette série, on veut vraiment amplifier le message et les voix du mouvement Black Lives Matter à travers le Canada, mais aussi des militants luttant contre le racisme au Canada. Pour cette séance, nous avons 3 conférenciers, Carole Anne Souffron, Dr. Samir Shaheen Hussain et Alicia Tukapik. Pendant cette session, nous allons examiner le traitement injuste qui subissent les communautés noires, autochtones et racisées relativement à l'accès équitable au logement, aux soins de la santé et aux autres services de soutien essentiels. Avant de commencer, j'aimerais remercier la Fondation RBC d'être un partenaire pour cette série. Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien qui nous donne l'opportunité d'encourager les conversations importantes sur l'antiracisme à travers le Canada avec des jeunes. Et aussi, pendant notre séance, si vous avez des problèmes techniques, il faut juste écrire un message dans le chat box à Lizzie parce que c'est elle qui va gérer le chat box pendant notre séance. Et en fait, on va commencer avec notre première conférencière. Je vous présente Carole Anne Souffron. Elle est travailleuse sociale, conférencière, doctorante en service social à l'Université d'Ottawa et boursière Vanier. Merci. De rien. Merci d'avoir assisté aujourd'hui. Et en fait, j'ai préparé quelques questions pour vous et je suis certaine que notre public aimerait apprendre davantage sur vous et vos projets. Donc, je vais passer à la première question. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir travailleuse sociale et pourriez-vous nous expliquer un jour typique dans votre travail? Qu'est-ce qui m'a inspirée, c'est beaucoup de choses. En fait, moi, j'ai commencé très, très jeune à m'impliquer. J'ai commencé à m'impliquer vers l'âge de 12 ans. J'étais en programme d'éducation internationale, qui est comme un programme enrichi dans les écoles secondaires du Québec. Puis dans ce programme-là, en fait, on est obligé de faire du bénévolat des certaines heures obligatoires par année. Fait que j'ai commencé à être introduite comme ça par le bénévolat, mais moi, je faisais vraiment beaucoup plus que ce qui était demandé. Parce que je vivais beaucoup de racisme et d'intimidation à l'école et je vivais d'autres difficultés dans d'autres sphères de ma vie. Donc, pour moi, de m'impliquer bénévolement, ça a été vraiment un exutoire puis une façon de trouver un sens aux choses qui m'intéressaient. J'étais une personne qui s'intéressait beaucoup à l'actualité, très, très jeune. J'ai commencé à écrire toute seule à l'âge de 3 ans avec un journal. Pour vous donner un exemple, j'ai toujours suivi l'actualité, qu'est-ce qui se passait dans le monde, les injustices. Donc, c'était tout naturel pour moi de m'engager et je n'ai jamais arrêté depuis, puis c'est devenu une carrière. Je me suis engagée pour plusieurs différentes causes sociales, mais dans les dernières années, je suis beaucoup en fait impliquée pour tout ce qui touche la question de la santé mentale chez les jeunes. En raison de certaines choses que j'ai moi-même vécues, je donnais des conférences là-dessus depuis 2015. Donc, j'ai notamment fait une conférence TEDx qui s'appelle « Le rétablissement santé mentale, c'est possible ». Puis, plus dernièrement, en fait, je suis toujours impliquée pour la cause féministe, la cause des femmes noires, mais j'ai parlé beaucoup des violences sexuelles faites aux femmes noires, notamment cette année. J'ai écrit un texte dans la presse, qui est un journal, un média québécois, qui s'appelle « L'Entonnoir », où je racontais mon histoire comme survivante de violences sexuelles et comment, en fait, le racisme que j'ai vécu dans cette expérience-là a eu un impact sur ma santé mentale, sur mon identité culturelle quand j'étais adolescente. Donc, je m'intéresse un peu à l'intersection de toutes ces choses-là. Et c'est aussi ce que j'étudie dans ma thèse de doctorat également. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis engagée. Pour la deuxième question, une journée typique. Je n'ai pas vraiment de journée typique, en fait, parce que je fais de la recherche puis je suis une personne qui est très créative, qui crée beaucoup ses propres projets, ses propres initiatives. Comme là, ce matin, je faisais un fellowship avec l'ONU. je m'inscris à des choses comme ça pour apprendre. C'est un fellowship sur les personnes d'ascendance africaine, justement. Puis c'est pour m'aider à plus intervenir, en fait, faire de la meilleure recherche, des meilleures bonnes pratiques pour les femmes noires qui vivent des violences sexuelles.
D'autres fois, j'écris. D'autres fois, je fais d'autres choses. Des fois, ça peut être des conférences comme celle d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de journée typique, puis j'aime ça ne pas avoir une journée typique. Merci pour ta réponse et tu as l'air occupée quand même. Ouais, surtout cette année, avec tous les mouvements qu'il y a eu cette année, ma thèse, surtout au Québec, il y a eu Black Lives Matter, il y a eu aussi la deuxième vague de MeToo, si on peut le dire ainsi. Ma thèse porte là-dessus. Mon histoire personnelle, c'est ça. C'est ça qui a accaparé l'actualité aussi. Fait qu'en ce moment, je suis très, très sollicitée. Alors, ça fait plus de 16 ans que je suis impliquée bénévolement. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si on s'intéresse à ce que j'ai à dire parce que ça concorde avec les mouvements sociaux qu'il y a eu dans l'année. Donc oui, je suis très occupée, mais je pense que c'est important comme chercheuse de parler à la population, de pas juste faire de la recherche dans un coin, mais de parler aux gens, aux jeunes aussi. C'est très, très important pour moi de parler aux jeunes. Puis justement, par rapport à ça, je voulais dire aussi que si les gens qui nous écoutent, que vous soyez des personnes racisées ou pas des personnes racisées, c'est important de me citer. En fait, si vous utilisez mes propos, juste citez-moi, parce que c'est important, parce que dans le milieu académique, on est en minorité. Je suis à l'Université d'Ottawa aussi, où il y a eu la controverse pour le N-word. Puis souvent, en milieu académique, il n'y a pas beaucoup de personnes noires. Et quand on est là, on partage notre savoir avec le public, on n'est pas toujours cité. Donc, c'est important de redonner à César, c'est à César, entre guillemets. Donc, si vous utilisez quelque chose que je dis, tout à fait légitime, mais juste citer mon nom, c'est important pour ne pas effacer le savoir des personnes noires. Non, c'est certain. Et merci d'avoir ajouté ça. Je vais passer à la prochaine question. Aujourd'hui, on parle de la santé et je crois que c'est important de bien expliquer les déterminants sociaux de la santé. Pouvez-vous nous expliquer les déterminants en relation des femmes noires? Pour commencer, les déterminants sociaux de la santé, c'est vraiment tout ce qui fait en sorte qu'une personne puisse avoir une pleine santé. Donc, si je prends la santé mentale, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup abordé dans les dernières années. Le fait d'avoir un toit, de manger à sa faim, d'avoir une vie sociale, d'avoir de la sécurité financière, d'avoir un environnement qui est propice à faire différentes choses. Tous ces facteurs-là, en fait, ont un impact sur la santé mentale. La pandémie qu'on a actuellement a comme exacerbé des inégalités qui existaient déjà pour les communautés noires. Les communautés noires sont beaucoup plus affectées par la pandémie, parmi les personnes qui tombent malades, mais aussi les impacts, l'entourage de ces personnes-là aussi, les quartiers qui ont plus de population noire aussi ont été beaucoup plus affectés. Donc, tout ça a un impact sur la santé mentale. Et je pense que c'est important de voir la santé mentale de manière globale puis holistique et non juste une question de médication. Oui, ça peut être important la médication pour certaines personnes. Il y en a des gens qui en ont besoin pour pouvoir stabiliser certaines choses. Mais si on ne travaille pas tout ce qu'il y a autour, le bien-être émotionnel, les relations sociales, le fait de se sentir épanoui, de trouver un sens à sa vie, etc., c'est comme un pansement sur une hémorragie de ne pas prendre la chose de manière holistique. Donc ça, c'est les déterminants sociaux de la santé. Et en lien avec les femmes noires, en fait, ce que je remarque, puis sûrement ça va venir un peu plus tard dans la prochaine question, les femmes noires, il y a comme une force qui est assumée des femmes noires. Dans le système de la santé, par exemple, c'est un peu plus documenté aux États-Unis, mais quand les femmes noires vont à l'hôpital, par exemple, et qu'elles disent qu'elles ont mal, souvent, c'est pas pris au sérieux, leur douleur n'est pas prise en compte, tant physique, mais aussi les douleurs émotionnelles des femmes noires sont souvent pas prises au sérieux ou comme minimisées ou comme diminuées. Et ça a un impact sur la santé mentale. Je pense que oui, les femmes noires sont fortes. Ça prend de la force pour survivre au racisme, au sexisme dans la société. Mais aussi, c'est important de comprendre qu'on est aussi des êtres humains. On a besoin qu'on prenne soin de nous. On a besoin d'être écouté, d'être validé, d'être cru. Et souvent, c'est quelque chose qui est dérobé aux femmes noires et même aux filles noires, je dirais aussi. Tout ça a un impact sur la santé mentale. Donc, c'est un peu tout dans tout, mais c'est comme ça que je répondrai un peu à la question. Merci beaucoup pour la réponse. Et c'est vrai, je trouve souvent, quand on parle de la santé, on pense souvent à l'hôpital ou le médicament, mais c'est beaucoup de choses qui contribuent à la santé d'une personne. Donc, merci d'avoir bien expliqué ça. Prochaine question. Selon vous, quel est l'impact de l'archétype de la femme noire forte sur la santé mentale des femmes noires? Oui, donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi, je suis une femme forte, puis je suis perçue comme une femme forte, mais juste dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que j'ai remarqué très, très jeune, en fait, depuis toujours. Puis c'est quelque chose qui arrive beaucoup à des filles noires aussi. Souvent, il y a des études plus aux États-Unis qui démontrent, en fait, qu'il y a un biais dans la façon dont on voit les femmes et les filles noires. Les filles noires, souvent, on les voit comme étant plus matures, on ne les voit pas comme des enfants, en fait. On leur enlève un peu leur innocence et leur naïveté. Fait que, par exemple, un enfant noir ou une fille noire qui va dire qu'elle a mal, qu'elle est triste ou qui va comme faire du acting out à l'école, le réflexe peut être, par exemple, de dire, cet enfant-là, on va la mettre en punition.
Puis il y avait des études à Toronto qui avaient démontré que les enfants noirs sont beaucoup plus en punition que les enfants blancs, par exemple, pour les mêmes types d'actions que tout enfant peut poser. Mais par exemple, un enfant qui est pas racisé ou un enfant qui est pas noir, mais qui est racisé, qui peut faire la même situation. Un enfant qui fait une crise, par exemple, c'est des choses qui arrivent. Mais souvent, on va dire, ben, toi, tu as besoin d'aller voir un psychologue, tu as besoin de parler. Mais l'enfant noir, il va avoir comme une culpabilité d'office. On va oublier que c'est un enfant. Puis qu'un enfant qui manifeste quelque chose, c'est parce qu'il vit quelque chose. Il n'y a pas de mauvais enfant, ça n'existe pas. Il y a juste des adultes qui ne comprennent pas en fait ce que l'enfant essaie de dire et le message qu'il essaie de communiquer parce qu'il n'y a pas les mots souvent pour expliquer qu'est-ce qu'il vit. Donc, pour les femmes et les filles noires, je dirais que c'est quelque chose que je vois beaucoup de manière anecdotique, je peux dire ainsi, mais si je ne pense pas que c'est anecdotique. Ça a un impact sur la santé mentale parce que oui, les femmes noires, on est fortes parce qu'on résiste à beaucoup d'oppression. Puis c'est, en même temps, c'est une richesse parce qu'on voit beaucoup de. On comprend très bien le pouvoir dans la société parce qu'on vit différentes formes d'oppression qui sont spécifiques et croisées. Donc, on comprend le pouvoir de manière très multidimensionnelle. Et pour moi, ça, c'est une richesse qui est inexploitée pour combattre les abus de pouvoir. Ça, c'est une aparté. Mais quand vient le temps de demander de l'aide, parce qu'on est des êtres humains et des fois, on est fatigué, on a besoin de soutien, on a besoin d'être écouté. Il faut souvent que la femme noire soit très, très, très insistante pour que le monde comprenne. Ah, oh, elle avait besoin d'aide, cette personne-là. Elle demandait de l'aide depuis 1 an, depuis 2 ans, puis c'est comme pas pris au sérieux. Ah, oh, elle est forte, la personne est capable. Donc, faire attention, c'est des biais inconscients qui viennent de l'esclavage, en fait, qui viennent, en fait, de toute la déshumanisation des personnes noires, des femmes noires, et qui viennent, en fait, leur enlever leur humanité, leur droit à être entendu, écouté, validé, puis être traité comme des êtres humains, comme n'importe quel autre humain. Donc, c'est ça que je dirais que c'est l'impact que ça a. Cet archétype-là sur les femmes noires. Donc, Merci. ça aide à la résistance, mais en même temps, ça nuit pour avoir du soutien. Non, c'est tellement important et j'aime bien que tu as vraiment montré des exemples. Tu as donné des exemples pour montrer aux jeunes. J'ai une dernière question pour toi. Il y a un manque de services spécifiques et adaptés pour les femmes noires ayant vécu des violences ou santé mentale, notamment au Québec. Pourquoi et quel est l'impact sur les femmes noires? Et peut-être dans une façon, tu as déjà répondu, mais quand même, peux-tu élaborer un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ma thèse, en fait, porte sur les violences sexuelles envers les femmes noires au Québec. Parce qu'en fait, moi, ça fait très, très longtemps que je m'implique pour cette cause-là. J'ai milité dans des organismes mainstream au Québec qui travaillent avec des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que d'abord, dans les services, il y a très peu de femmes noires qui donnent les services à la communauté. Des fois, ça peut être correct, mais il y a toujours des biais et des angles morts qu'on ne vit pas soi-même une réalité. Donc, c'est important que les gens qui donnent les services aux femmes noires ressemblent aux femmes noires parce que ça a plus de chances que l'approche soit plus culturellement sensible quand on vit des réalités similaires ou au moins que les personnes qui donnent l'intervention soient formées sur les enjeux qui spécifiques qui touchent les femmes noires. Pourquoi il y a moins de services aussi? Ben, je pense que. Pour moi, le Québec n'est pas plus raciste qu'ailleurs. Je pense qu'il y a du racisme partout. Le racisme anti-noir, quelque chose qui existe partout, selon moi, qui a beaucoup d'influence dans beaucoup de sphères. Là où je vois un peu une différence au Québec, c'est qu'il y a un peu la dynamique francophone, minorité francophone en Amérique du Nord. Et ça fait en sorte que c'est très difficile de parler du racisme anti-noir ou du racisme tout court, parce qu'on se voit comme une minorité. En fait, les Québécois de souche, même si je n'aime pas ce terme. Moi, je suis née au Québec, je suis québécoise, mais les Québécois de souche, si je peux dire ainsi, des fois, il y a un peu cette dynamique qu'on se voit comme une minorité et on ne voit pas qu'on peut opprimer une autre minorité qui vit aussi sur le même territoire, qu'elle soit née au Québec ou qu'elle soit née ailleurs. Et ça, pour moi, ça explique un peu en partie l'effacement, en fait, des femmes noires. Par exemple, quand je lis des programmes gouvernementaux qui parlent des violences sexuelles, on va parler de minorités visibles. On va parler de femmes immigrantes, de femmes réfugiées, mais je vois pas le mot noir. Le mot femme noire n'apparaît pas. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un mot qui apparaît. On voit le mot noir dans les politiques, dans les programmes. Mais ici, on utilise toutes sortes d'autres termes pour ne jamais nommer le mot noir. Et ça, pour moi, c'est un effacement, c'est une invisibilisation des personnes noires. Parce que les femmes noires vivent aussi des violences sexuelles comme n'importe quelle communauté qui peut en vivre dans le monde. Puis c'est important d'avoir une approche qui est spécifique aux femmes noires. Et pour ça, il faut commencer à nommer qu'il y a des femmes noires au Québec, puis qu'on existe, puis qu'on vit des réalités, puis il nous faut des services spécifiques. Moi, je travaille en recherche là-dessus. Et d'autres militantes que je connais aussi, par exemple, on fait un projet avec Concordia à Montréal, avec Hootstock, avec Marianne Lopez, Narges Mustapha, Nathalie Batraville. On travaille ensemble sur un projet pour avoir en fait plus de services pour les femmes noires à Montréal-Nord, qui est un quartier à Montréal où il y a une grande population noire.
Puis c'est important d'avoir des services qui sont menés par et pour des femmes noires, puis avec des femmes noires aussi, parce que ça change toute l'approche, puis la manière d'intervenir. Puis ultimement, je pense que ça bénéficie l'ensemble de la société. Parce que, comme je disais tantôt, les femmes noires, on est à l'intersection de plusieurs oppressions. Donc, pour changer les choses, pour moi, on est comme l'intersectionnalité incarnée. On voit toutes sortes d'oppressions de manière incarnée, parce qu'on les vit, on les vit de manière multidimensionnelle. Donc, c'est les femmes noires qui ont vraiment la solution ou les solutions qui sont intéressantes pour vraiment changer plusieurs combats sociaux, en fait. Donc, pour moi, les femmes noires, c'est un peu une convergence des luttes incarnées. Donc, je pense qu'il faut beaucoup écouter les femmes noires, non seulement pour lutter contre les violences sexuelles, pour lutter contre les inégalités de santé, mais aussi pour toutes sortes de causes sociales, pour l'environnement, pour la lutte contre le racisme. Parce que si on écoute les femmes noires, on va arrêter de compartimenter ces luttes-là parce que les femmes noires les incarnent, en fait. Donc, c'est pour moi, ça fait partie. Tout est dans tout, en fait. Fait que c'est un peu ça, ma réponse. Non, merci beaucoup, c'est apprécié. Je vois que tu es tellement passionnée par le travail que tu Ouais. fais et c'est un travail tellement important. Ouais. Donc, je te remercie pour votre temps. Je vais passer à notre prochain conférencier, mais merci beaucoup et on est impressionné par le travail que tu fais. Merci. Merci, avec plaisir. C'est normal, c'est pour les prochaines générations que je le fais. Donc, je C'est suis ça. contente d'être ici. C'est ça. Merci Merci. d'avoir résisté. OK. Donc, je vais passer à notre prochain conférencier. Je vous présente Dr. Samir Shaheen Hussain. Il est impliqué dans des mouvements de justice sociale anti-autoritaire depuis près de 2 décennies. Il est aussi l'auteur du livre Fighting for a Hand to Hold, Confronting Medical Colonialism Against Indigenous Children in Canada. Je vais lui poser une question et ensuite il va nous faire une présentation. Donc, ma question est pour les jeunes qui écoutent, pourriez-vous expliquer comment le racisme systémique anti-autochtones se manifeste dans le système de santé? Oui, certainement. Merci beaucoup pour l'introduction, puis merci pour l'invitation. Je vais juste partager mon écran. J'espère que vous pourrez le voir. C'est bon? Parfait. Puis juste aller full screen. Donc, rapidement, initialement, je voulais juste dire que je parle de Geauharnais, de Montréal, donc le territoire des Kanyankahava, de la nation Mohawk. Je voulais aussi dire que j'ai pas de conflit d'intérêt à divulguer comme professeur. Il faut toujours qu'on fasse ça. Sauf évidemment que la plupart du contenu de ce que je vais parler, ça vient de mon livre. Mais toutes les redevances de mon livre sont redirigées d'emblée vers les organismes désignés en soutien aux enfants et jeunes autochtones et leur communauté. Donc, en fait, ça c'est les organismes à qui les redevances sont déjà désignées. Donc, l'autre élément, désolé, c'est que même si c'est mon nom qui paraît sur la couverture du livre, je voulais quand même reconnaître le fait que Cindy Blackstock et Ellen Gabriel, les deux sont militantes autochtones pour diverses causes, très bien connues au Canada, ont contribué le préface et puis le postface du livre. Donc, pour la question du racisme systémique anti-autochtone dans les soins de santé, je vais rapidement parler de l'exemple. Un exemple, c'est le cas de Brian Sinclair, qui était un homme de 45 ans, qui était autochtone et qui est allé dans un hôpital, une urgence à Winnipeg. Ça, c'est en 2008. Il avait des problèmes de santé. En fait, il avait une infection urinaire et il a été référé par son médecin qui lui a envoyé avec une lettre pour donner à l'équipe de triage là-bas. Et au lieu d'être vu, il a attendu dans la salle d'attente pour 34 heures sans être vu, parce que tout le monde qui était là pensait qu'il était saoul ou qu'il était endormi. Et en fin de compte, il est décédé sans être vu, après avoir attendu pour 34 heures. Donc, on disait qu'il était littéralement ignoré jusqu'à sa mort. Donc, ça donnait un exemple du racisme systémique dans le sens que c'est quelque chose qui est vraiment, on a des biais, des préjugés qui persistent dans le système. Et c'est pour cette raison-là que le personnel médical l'a ignoré. Il y a un autre exemple qui est plus proche de chez nous, ça c'est à Montréal.
C'est l'exemple de Kimberly Gload, qui est une femme Mi'kmaq qui vivait à Montréal. Et puis elle se sentait pas bien. Elle est arrivée à l'hôpital, à l'urgence, mais elle n'avait pas sa carte de santé. Et donc, elle a été refusée sans pouvoir payer pour ses traitements. Et en fin de compte, elle est retournée chez elle. Puis quelques semaines plus tard, elle est décédée chez elle suite à des complications d'une maladie du foie. Et cette réalité, le fait que les gens doivent payer tellement ces montants exorbitants, c'est une politique en fait qui est en place pour faire payer aux gens qui n'ont pas de couverture médicale. Souvent, c'est des gens sans statut, de statut précaire. Mais dans son cas, c'était vraiment un cas très spécifique. Dans ce cas, elle avait perdu sa carte. Et donc, ça montre un peu comment les politiques qui ne visent pas nécessairement même les personnes autochtones peuvent avoir des effets néfastes sur leur santé. Donc, pour... L'autre élément en fait que je voulais aborder, c'est la question des enfants. Donc ça, les deux exemples dont j'ai parlé, c'est évidemment des exemples d'adultes. Mais il y a un lien avec l'exemple de Joyce Echaquan. La plupart des personnes, évidemment, au Québec vont savoir le cas de Joyce Echaquan. Elle est une femme atikamekw qui est décédée dans l'hôpital de Joliette en septembre, après avoir été traitée de façon raciste là-bas. Et ça, c'est une photo qui est tenue par son fils, un de ses 7 enfants. Et donc, on voit que, certainement au Québec, le racisme dans les soins de santé, ça existe. Mais une des raisons que j'utilise cette photo-là, c'est parce que ces types de cas ont des effets sur les enfants aussi pour des générations. Donc, elle avait 7 enfants, tous ces enfants vont avoir des séquelles et la communauté aussi a été évidemment impactée. Mais je voulais parler... Pour rentrer dans la campagne Tiémamin en particulier, c'est un exemple où en fait les enfants étaient visés de façon plus frontale. Donc, je voulais premièrement remercier toutes les familles qui ont sorti durant la campagne pour témoigner courageusement de leurs expériences. Il y en a eu plusieurs. Pour les gens qui ne savent pas, la campagne a été démarrée parce qu'il y avait une pratique au Québec qui interdisait les parents d'accompagner leurs enfants durant les vols aéromédicaux pour les urgences. Donc, si on vivait dans des régions éloignées au Québec et puis on avait besoin d'un avion pour être transporté à Montréal ou à Québec pour les soins, ces enfants étaient transférés seuls. On interdisait les parents de venir avec ces gens-là. Mais les communautés du nord du Québec, les communautés autochtones, Cree et Inuit, étaient impactées de façon disproportionnée par cette pratique-là. Et vous pouvez imaginer pour ces enfants-là, c'était quand même traumatisant de monter sur un avion, être entouré par du personnel de la santé qui ne parle pas leur langue souvent, qui ne connaissent pas, et qui sont en train de faire toutes sortes de tests sur ces enfants-là. Puis ces enfants-là sont seuls. Donc, c'est quand même assez traumatisant comme expérience, évidemment. Et donc, c'est une pratique qui était là depuis des années. Et en 2018, on a décidé de monter une campagne, en fait, la campagne Tiens ma main, pour mettre fin à cette pratique. Là. Initialement, le gouvernement et puis le ministre de la Santé au pouvoir à ce moment-là, Gaétan Barrette, avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de plan de changer la donne. Mais quelques mois plus tard, avec beaucoup de pression, beaucoup d'autres groupes qui sont impliqués, beaucoup d'individus qui sont impliqués, beaucoup de familles qui sont sorties publiquement, on a vu un changement. Donc, en fin de compte, en fin juillet, il y avait une nouvelle politique qui est sortie pour encadrer l'accompagnement parental. Et puis, quelques jours plus tard, en fait, on a reçu notre première famille chez nous, au Children's. L'enfant est venu avec sa mère. Donc, c'est vraiment génial, même si ça a pris quand même quelques mois plus tard de plus pour vraiment mettre la nouvelle politique en place de façon universelle. Mais je voulais partager rapidement une vidéo que je voulais montrer qui est arrivée durant la campagne, en fait. C'est un reportage, c'est en anglais, mais je vais rapidement expliquer après le fait saillant de l'intervention. Mais malheureusement, je ne suis pas disponible en français. C'était un reportage qui a été fait par le CBC. A rule that prevented sick children from traveling with their parents aboard medevac flights has been widely criticized in Quebec.
After recent pushback, the government yielded and promised to let parents on board. At a community event at this mosque, the health minister was asked why that hasn't happened yet. CBC obtained a recording of his response, where he guaranteed someone intoxicated will be kicked off of a flight in the next 6 months. Where someone will not be made allowed to get out of the plane. Why does no one agitated drug under whatever influence would get on the plane? Any problems? That will not happen. That happens all the time. Those words led to a chorus of condemnation. To have comments like that by a minister is totally appalling and unacceptable. We're going to demand that the minister resign from his position. The head of an organization that represents Inuit in Quebec's north says he needs to apologize, and I don't think that will be enough. He needs to go. The trust is gone. Barrette backpedaled today, at first saying that people wrongly assumed he'd been talking about Indigenous people when he meant it more generally. Then, later, he offered this as an apology. I can understand the sensitivity of that and the reaction. I apologize for that. I'm quite sorry about that, but at the end of the day, can we move on? The Premier is standing in solidarity with his health minister as a provincial election looms. I think he's sorry that this words have been interpreted that way. I suggest that we leave it there. Barrette did call the mayor of Kujawaq to apologize. The mayor says he does not accept the apology. He's demanding that the minister resign immediately. Jayla Bernstein, CBC News. Je vais revenir à mon screen. Donc, la raison pour laquelle je partage ça, il y a plusieurs raisons en fait, mais juste pour expliquer pour les gens qui peut-être n'ont pas compris, principalement, Gaétan Barrette avait fait des commentaires avec des préjugés racistes durant un événement et ça a été partagé par un membre du public. Et puis, un des éléments que je voulais souligner, c'est qu'à un moment donné, il dit « At the end of the day, can we move on? » Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, est-ce qu'on peut aller de l'avant avec nos vies? Et puis, c'est important parce que lui était ministre de la Santé, il est radiologiste, il est médecin lui-même. Et puis, il pense qu'on peut juste aller de l'avant. En fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, par exemple, c'est qu'on ne peut pas juste aller de l'avant sans tenir en compte l'histoire. Et l'historique. Et en particulier, moi, je mets une emphase sur le colonialisme médical. Donc, je définis un peu comme une culture ou une idéologie enracinée dans un racisme anti-autochtone systémique et faisant appel à des pratiques et à des politiques médicales pour établir, maintenir ou faire avancer un projet colonial génocidaire. Et pour cadrer ça, j'utilise la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais principalement, il y a 5 critères, disons, qui peuvent qualifier comme génocide. Et puis, moi, je fais l'argument que l'establishment médical, pour l'establishment médical, les 5 critères, en fait, sont remplis. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, d'exemples dont je parle dans le livre. Mais celui sur lequel je voulais mettre un peu de l'emphase, c'est le 5e acte, en fait, de la Convention. Et puis, dans ça, on parle du transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, l'exemple que vous voyez sur la gauche, c'est un livre qui parle des transferts forcés, des évacuations médicales, en fait, forcées des Inuits dans les années 40, 50 et 60 pour la tuberculose, le traitement de tuberculose, où ces gens-là étaient envoyés dans les hôpitaux du Sud. Souvent, c'était pour des mois, voire même des années. Dans certains cas, les enfants étaient envoyés aussi seuls. Et dans plusieurs cas, les enfants et d'autres personnes ne sont jamais revenus à leur communauté. Et ces séquelles-là, on les voit encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent encore aujourd'hui qui ont soit subi, connaissaient des personnes qui ont vécu cette réalité. Puis l'exemple à la droite, c'est un reportage suite à une enquête faite par Radio-Canada, par la journaliste Anne Panasuk, qui a montré que dans plusieurs communautés autochtones, Atikamekw, Innu, Anishinaabe,
Anishinaabe, il y a des enfants qui ont littéralement disparu dans le système médical au Québec après être envoyés par avion pour des soins médicaux. Donc, ils ont été envoyés par la communauté, rentrés dans un hôpital, et puis après l'hôpital, soit qu'ils sont décédés là-bas ou qu'ils ont été mis en adoption ou dans le système de la protection de la jeunesse. Mais pour beaucoup de ces enfants-là, les familles ne les ont jamais revus. Et donc, on peut voir que pour ces familles-là, pour ces communautés-là, il y a une violence très grave commise par l'establishment médical. Et donc, un des arguments que je fais dans le livre, en fait, c'est de montrer que cette pratique dont je parlais avant, de l'évacuation aéromédicale qui était en place jusqu'en 2018, même si ce n'était pas développé pour discriminer contre les communautés autochtones, au fil des années, vu qu'il y avait plusieurs chances de changer la donne et que le gouvernement ne la fait pas, c'est devenu un exemple du colonialisme médical. Et donc, je vais terminer bientôt, juste pour partager une citation d'une ancienne résidente en pédiatrie avec qui je travaillais. Une fois que la campagne est sortie, elle travaille en Ontario maintenant, mais elle m'avait écrit par courriel pour dire... nous savions que c'était la règle, nous savions que c'était horrible, et pourtant, nous continuions comme si de rien n'était. Et en fait, un des buts avec ce livre, c'est exactement pour assurer qu'on ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Et une des raisons les plus importantes, en fait, c'est pour assurer qu'il n'y a plus... On arrête ces traumatismes infligés envers les communautés autochtones, les enfants autochtones aussi, pour qu'on puisse viser plutôt la justice. Et donc, question d'implication pour les jeunes qui regardent peut-être ce webinaire, c'est vraiment de trouver des façons de s'impliquer pour soutenir les revendications des communautés autochtones pour l'autodétermination, pour la souveraineté, parce que c'est ces enjeux-là, en fait, qui vont changer la donne sur le long terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation et pour répondre à ma question. Comme je disais avant, comme je vois que tu es quelqu'un qui est très passionné et quand même, ces espoirs sont tristes, mais c'est inspirant et encourageant de voir qu'il y a des personnes qui font des changements. Et c'est certain que je vais acheter ton livre. Merci. Je vais passer à notre prochaine conférencière. OK. Je vous présente Alicia Tukapik. Alicia vit à Montréal. Elle est travailleuse sociale communautaire, UNUC, de Coujouarapik. Donc, je vais passer à la première question. Pouvez-vous partager le succès et les défis auxquels vous faites face dans le cadre de votre travail en tant que travailleuse sociale communautaire? Tu m'entends-tu? Ça marche? Oui, ça marche très bien. Oui. En premier, je veux vous remercie, je m'excuse. Il va y avoir des moments que j'ai un peu de la difficulté de parler en français. Là. Je parle trois langues tout le long de la journée, puis c'est pas évident que ça. Je mélange mes mots. Mais oui, le succès que moi je trouve que je m'excuse, je veux pas parler en français, en anglais. Là. Mais je pense que le succès que moi j'avais amené dans la culture des Inuits, c'est je suis une travailleur communautaire qui travaille pour être un travailleur social avec l'ordre puis tout ça, puis je suis vraiment proche. Puis il n'y a pas beaucoup des Inuits qui travaillent dans les premières lignes spécifiquement avec services sociaux puis le DPJ puis tout ça, puis c'est quand même extraordinaire qu'on a que je parle trois langues, puis c'est plus facile de communiquer avec les personnes. Je pense que ça aide que moi aussi quand j'étais jeune, j'avais entendu beaucoup de Carole Anne. C'est comme je m'entendais moi-même des fois, là. Mais c'est vrai que qu'est-ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune, ça m'a donné le pouvoir d'être un travailleur social.
Parce que moi aussi, j'étais un de ces enfants qui était envoyé par avion sans mes parents quand j'étais jeune. Aussi que j'avais pas mes parents à tout le temps, puis moi, j'avais plus besoin des travailleurs sociaux. Je déménageais beaucoup, puis c'était pas facile. Puis pour moi, quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est ça que je veux être. Puis ça, maintenant, ça joue beaucoup aussi parce que moi, je suis politically active. Je me suis, j'ai perdu le mot là. mais je suis quand même un des premiers Inuits, jeunes Inuits, qui est vraiment impliqué dans les politiques. Puis ça joue un vraiment gros rôle que j'ai travaillé comme un community social worker. Je m'excuse. Je suis un peu nerveuse, là. mais après 6 ans, presque 7 ans que je travaille comme ça, puis ça aide beaucoup de voir c'est quoi les problèmes sociaux, c'est quoi, qu'est-ce qu'on manque, c'est comment que c'est... How did we end up here? So, pour moi, ça a joué un vraiment gros rôle. Que, puis quand ils m'ont demandé d'être candidat en 2018, I did hesitate, mais c'était quelque chose que j'étais prête pour prendre parce que c'est un gros succès pour les Inuits. Puis ça pousse vraiment. Puis Merci beaucoup d'avoir répondu. Et tout fait très bien, il ne faut pas être nerveuse. je vais passer à la troisième question juste parce que je pense, dans une façon, tu as déjà répondu à la deuxième. D'accord? Mm-hmm. Donc, que doit faire le domaine médical au Canada pour s'assurer que les Inuits reçoivent des soins médicaux appropriés? Ça, c'est quand même une grosse question que tout le monde demande souvent. Mais je pense que ça serait la première chose qu'on faut faire, c'est l'accepter qu'on est un peuple vraiment unique. On est vraiment des Autochtones. We are the first people. Parce que les Inuits, ça veut dire premier peuple. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il manque beaucoup, vraiment dans Québec, au plus, là, juste parce que les Inuits plus ici en Québec, ça fait même pas 50 ans qu'on était colonisés, là. Je m'excuse. We were colonized within a short period of time. Puis... The first step, c'est vraiment d'accepter qu'on est des premiers peuples, puis on est vraiment ici, on est des humains, puis après ça, on pourrait commencer vers le reconciliation. Je m'excuse. Mais ça ne va pas commencer autant qu'ils ne nous acceptent nous pas comme des personnes qui sont humaines, comme tout le monde. Ça, c'est un problème vraiment gros, là. Aussi, le souveraineté, sovereignty, this is something that we definitely want. Je m'excuse. mais tout fait très bien, comme je suis, tout fait très bien, continue. So, les Inuits, nous, on veut vraiment, we really want our own sovereignty, we want to be able to govern ourselves. Puis ça, c'est quelque chose qui ça joue un gros rôle dans la réalité des Inuits, parce que c'est quelque chose comme... Tu entends beaucoup de c'est quoi les problèmes? Ils demandent beaucoup de questions, puis ils savent déjà c'est quoi les solutions qu'on a. On essaie de les amener, mais c'est pas toujours qu'est-ce qu'ils veulent, puis c'est pas à leur it's not to their liking. And so il essaie de dire, oh, on n'a pas trop, on n'a pas d'informations, c'est ça. Puis, it's always delayed. So, I think it's time to vraiment to accept the fact that you have a lot of solutions. We already have them. We want to implicate them. Mais c'est quand même une question de l'espace qu'il va nous donner. Parce que, au plus part, c'est toujours, on va le faire pour vous. Puis c'est pas quelque chose qu'on veut. C'est pour ça que la souveraineté pour nous, c'est une grosse chose. So, with the health system, je pense que ça serait, it would be the right start to, at least the start to encourage people to
to have equal health services that we do down here. Merci beaucoup. Tu as mentionné beaucoup de points qui sont tellement importants. Et aussi, avant que je pose la dernière question, j'ai oublié de mentionner, il y a une chat box, donc j'encourage ceux qui écoutent de mettre vos questions pour nos conférenciers dans le chat box. Et bientôt, on va avoir une séance de questions. Donc, on va poser des questions aux conférenciers. Donc, je vous encourage à le faire maintenant. Je vais passer à la dernière question pour toi. Voyez-vous un lien entre la manière dont les Inuits sont traités avec d'autres minorités au Canada? Si oui, pourriez-vous expliquer? Pour moi, je le vois beaucoup. I see a lot of similarities. Je m'excuse, mes mots en français, ça rentre pas aujourd'hui, là. Mais je vois beaucoup des ressemblances avec les personnes minoritaires qui viennent ici aussi, parce que je vois beaucoup les mêmes traitements qu'on est... we're in a minority group that tends to be looked down on and as if we should be thankful. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Parce que c'est pas nécessairement les mêmes choses, parce que nous, on est ici depuis des milliers d'années, là, puis d'avoir des stereotypical slurs that come out from people who are racist and everything. We also get vraiment, on reçoit beaucoup de retourner chez vous, puis on est comme, mais je suis d'ici. C'est quand même difficile de réagir à ça. Puis je vois ça, like, I see a lot of that happening with minorities. The treatment that we get as minorities, it seems to be similar all over the place, no matter where you came from, as long as your skin color is different. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, parce que c'est pas vrai que... we shouldn't be treated this way just because we do something a little different. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi avec des personnes. C'est comme, on fait des choses un peu différentes, puis c'est pas le moderne de la société. Puis so, immediately, we get a backlash of, well, you're doing it wrong. Puis ça, c'est pas... how do I say this? C'est pas quelque chose qu'on veut vraiment voir, je pense. You know, it doesn't want to be seen by, especially by Quebecers, because c'est parce que c'est l'historique qu'on a, c'est pas vu, c'est pas, it's not taught, it's not, there's no education behind it. So a lot of people, ils savent pas, c'est, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la réalité dans le Nord, puis même chose avec ici, c'est, even if you're here in the city, you're not treated well, and it's just the same thing, it's just a different environment, with more resources, but you see the same treatment. So pour moi, il y a des moments que je me demande, c'est vraiment, qu'est-ce qui soit, what is it going to take to have all minorities, why we're considered minorities, how to alleviate that, to continue on with society, to include us, and rather not just it's to include us and not to just have us there. Je l'ai oublié en français, mais c'est ça qu'on we share a lot of similarities with. Other racialized people, because when you look at the historic attacks and the historic discrimination and treatment qu'on a eu là, c'est vraiment, it's all similar, it's all coming from the same entity, so it's going to be the same thing, it's just in different locations. So pour moi, I always tend to enjoy having conversations with, je m'excuse,
I tend to enjoy a lot more conversations than I do with racialized people, because I can create a better link with them, because they do have the similarities and we can relate. But I'm always also open to speaking with les allochtones, because j'aime vraiment donner l'éducation, j'aime avoir des discussions pour les personnes qui sont ouvertes à demander de qu'est-ce qui se passe, parce que tu vois ça beaucoup, il y a des personnes qui s'en foutent, sont comme j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je veux rien faire. Puis ça aide que on peut, like, we can relate. So for me, that's a huge thing that I really do appreciate. Merci beaucoup d'avoir partagé. Et c'est important d'être les alliés, surtout comme des minorités. Pour le moment, je te remercie et vous pouvez garder votre vidéo. Et, en fait, j'invite tous les conférenciers de mettre leur vidéo, parce qu'on va avoir une session de questions avec les participants sur Facebook et sur Zoom. Maintenant, pour l'instant, on a deux questions avant de conclure. La première question est en anglais. Et ça dit, can Inuit attend CEGEP or study social work or other health programs in Nunavik, or do they have to leave home? Donc, peut-être il y a quelqu'un sur le panel qui peut répondre. Oui, je peux le répondre. C'est vraiment, nous, dans le Nord, l'éducation arrête jusqu'à secondaire 6. Puis après ça, tu faut voyager ici dans le Sud pour avoir ton CEGEP, ton your university degree, anything that's post-secondary, on faut voyager ici, puis ça prend du temps. So there's a huge culture shock to that. Mais aussi, on n'a pas des ressources qu'on a besoin pour avoir des formations, des choses comme ça. Puis pour moi, la seule façon que je pousse avec mon formation, c'était aller dans une autre communauté à chaque mois pour une semaine. Puis ça a pris 3 ans de faire ça. Puis c'est juste pour avoir mon expérience en travailleur social. Puis je le pousse pour ça. So, il y a quand même des petits programmes avec Marie-Victorin, avec Douglas Hospitals. So, it's starting up slowly, but it's not, you still have to travel no matter where you want to go educate yourself. Mm-hmm. C'est pas facile de laisser ta famille, de laisser tes amis, de laisser your comfort zone, your space. Puis tu viens ici, puis c'est un vie vraiment différent, comme moi j'aime dire que quand tu vas dans le Nord, c'est vraiment, it's like going overseas. You go to a completely different new world, mais pas avec un passeport. Merci d'avoir répondu. Et s'il y a quelque chose, il y a un conférencier qui veut ajouter, allez-y. Sinon, je vais passer à la prochaine question. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je pense qu'il y a un petit teaching moment ici en ce moment pour tout le monde. Dans le sens où, Alicia, ta présentation est vraiment excellente. Puis, s'il vous plaît, il ne faut pas que tu t'excuses de parler trois langues. Parler trois langues, c'est vraiment beaucoup. Puis, je vois souvent, moi, par exemple, le créole, c'est la troisième langue que j'ai apprise. Et ça, pour moi, ça fait partie du colonialisme, le fait qu'on a appris d'autres langues avant, puis qu'après, on se sent mal de switcher d'une langue à l'autre. Ça fait partie du colonialisme, des faits qu'il ne faut pas s'excuser de parler trois langues. Au contraire, on est vraiment smart. Puis, ça vient avec le système de santé aussi. Les gens qui vont dans le système de santé, puis ils ne parlent pas des fois français ou anglais. Des fois, ça peut amener de la discrimination après quand ils veulent avoir des services, mais il faut reconnaître que ça vient... En fait, ces langues-là, on les a apprises parce que ça a été imposé sur nous. Normalement, je suis supposée apprendre le créole en premier parce que je suis d'origine haïtienne, mais à cause des relations coloniales et tout ça, ça a une influence. Donc, puis même moi, je suis coupable de ça. Des fois, je me sens gênée de parler une langue ou de l'autre. Puis pour moi, c'est une manifestation de tout ça. Fait que je pense que ça peut être un teaching moment de ne pas s'excuser, en fait. On est smart, on parle trois langues. Genre, c'est quand même cool, là. Merci beaucoup, Caroline. I tend to apologize a lot, juste parce que je veux être claire pour tout le monde. Mais c'est vrai que nous, comme Inuit, même l'anglais, c'est mon deuxième langue, parce que j'ai appris Inuit, c'est pas un langue officielle encore, mais
C'est quelque chose qui it irritates me that il y a des personnes qui viennent d'ici du Québec puis ils disent il faut parler le français, c'est important, c'est vraiment ça. Puis moi, je me demande, mais en premier, le gouvernement du Québec voulait rien des autochtones, puis ils ont donné la responsabilité à la fédéraux. Puis eux autres, ils ont envoyé des missions, they sent English missionaries. So we learned English as a second language, and then French only came in afterwards. So I like to remind people of that when you don't take a responsibility, someone else is going to take the responsibility. And c'est pas vrai, j'aime pas quand il fait comme c'est notre faute. Puis c'est vraiment pas de notre faute. Puis merci pour ça. Oui, j'ai vraiment apprécié ton commentaire, Caroline. C'est vrai. Il y a une autre question, mais peut-être c'est pour vous toi. Comment les jeunes racialisés ou non peuvent savoir quels sont leurs droits dans le système de santé? Je peux peut-être commencer. C'est une grosse question. D'abord, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on a des droits, dans le sens où dès qu'on se sent pas respecté, qu'on se sent pas bien, c'est long à développer, mais il faut avoir comme le réflexe de sentir « Oh, je sens que je ne suis pas respectée ou qu'on ne m'entend pas quand je m'exprime. » Fait que déjà là, je pense que c'est déjà la première étape, je dirais, pour développer une conscience qu'on a le droit d'être respecté, d'être traité avec dignité. Je ne sais pas si j'ai un exemple, mais je ne sais pas si Dr. Samir a peut-être un exemple, mais je pense que c'est important, avec le temps, de déconstruire, en fait, l'idée inconsciente qu'on mérite d'être traité, d'être maltraité, puis on a le droit au respect, on a le droit à la dignité, on est des êtres humains, peu importe notre statut social, notre diplôme, notre éducation, personne n'a le droit de se faire traiter de la mauvaise façon. Fait que si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans une situation, probablement vous avez raison de ne pas vous sentir bien, même si toute la société essaie de vous dire que vous méritez d'être traité mal. Fait que je pense que c'est first step, mais après je pense que les autres intervenants peuvent peut-être compléter un peu plus. Je ne sais pas si Alicia, tu voulais aller? Vas-y, puis je vais juste ajouter au bout. Mais en fait, à vrai dire, j'ai vu la question, puis ça me stressait parce qu'à vrai dire, je suis pédiatre, puis je dois avouer que je ne sais pas où aller pour chercher comment les jeunes peuvent savoir leurs droits, mais je suis complètement d'accord avec Caroline. En fin de compte, la question, c'est les droits, en principe, ça devrait être assez implicite. On doit pouvoir être traité de façon digne, de façon juste. Ça devrait être à la base des soins. Puis comme par exemple, si on utilise même le cas dont j'ai parlé, c'est un exemple quand même assez patent dans le sens que on voit des enfants qui étaient privés d'avoir une proche avec eux durant les soins médicaux. Et puis quand je parlais avec les collègues, quand les autres patientes étaient au courant de cet enjeu-là, tout le monde disait « Ah, si ça arrivait à moi, je ne tolérerais pas ça. » Mais ben, ce n'est pas une question des gens qui le tolèrent, c'est quelque chose qui était imposé sur des gens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Donc, du coup, je pense que l'idée de ce que Caroline dit, c'est complètement approprié à propos, dans le sens que on doit toujours en garder en tête qu'on doit être traité de façon digne et de façon juste. Ça devrait être notre moral compass, notre boussole de la façon dont on est traité, au-delà des lois et des régulations et des directives. Vraiment, je veux juste ajouter au bout parce que Caroline puis Dr. Samir sont they're really on point with this. Parce que c'est quand même une question difficile pour les jeunes. Souvent, les jeunes nous regardent puis ils nous suivent. You know, monkey see, monkey do, and it's always been that, you know, as parents. Nos enfants nous regardent puis c'est quelque chose qu'on faut vraiment. Fais attention de comment on gère des personnes, juste les personnes, là. It's a social... Si ça commence d'être vraiment pire pour les jeunes qui ne peuvent pas demander ou de dire « Hey, je me sens pas confortable », ça, c'est déjà un problème. Parce que c'est vrai que les
the basics of medical help is to be able to do it respectfully. Puis quand on voit ça in the hospitals and whatnot, when there's mistreatment, je sais qu'il y a plein de monde autour qui veut pas le gérer. They don't want to get involved. But it shows, we are showing our youth that we shouldn't get involved in situations that we might be uncomfortable with. So I think c'est vraiment de parler à les jeunes que si tu vois quelque chose qui c'est pas correct, we have to encourage them definitely. That I think that would be the core, especially with our children. Then that way, our children should not be uncomfortable to speak about it. Parce que ça vient vraiment de la maison, puis ça commence. It's how you raise your children is how what your child is going to produce outside. So, and when you look at the results of that, it's unfortunate that a lot of adults are not integrated as well, because we may seem foreign. We may seem like we've never really been here, so it's harder for them to connect with us. But no, we are humans, and we still have human emotions with connections and socialism. You know, it's a network that we are all connected somehow. So for me, it's going to be very important to teach the youth to be able to be comfortable to go talk to an adult to say, look, I went through something that was really hard that I wasn't comfortable with, or to stop. I think for me, it would be to stop not believing in the youth when they're saying, I felt something uncomfortable, I went through something uncomfortable. Because when you deter that belief in that child, they're not going to want to do it again. They're not going to want to be able to talk to someone. And I think the results of that happening from before has created a lot of strenuous stress with the youth now that I know, especially in the north, because this has happened a lot of times where because it's an isolated area, a lot of times you have les Autochtones qui viennent puis ils savent qu'ils ont isolé puis ils sont loin, so they do it in the nursing stations in the places too. Mais tu souvent attends, ah, c'est une jeune, they're just mad at me, they're gonna make up something. Puis ça casse vraiment l'espoir d'une jeune de commencer d'avoir des discussions comme ça. Puis, ouais, j'espère que ça, ça c'est clair que c'est quelque chose qu'on faut vraiment être prudent avec. Merci beaucoup, Alicia. Je suis d'accord et j'ai tellement appris. Y a-t-il quelque chose à ajouter, Caroline? Ouais, ouais, je voulais ajouter un petit exemple, justement, parce que Alicia m'a fait penser à un exemple de ma propre vie. Moi, comme je disais tantôt, je fais beaucoup de conférences en santé mentale parce que j'ai vécu des enjeux quand j'étais plus jeune à cause du racisme, l'intimidation et tout ça. Puis je me souviens justement, ce que Alicia a décrit, c'est que des choses qui me sont arrivées quand j'étais jeune. Par exemple, j'étais une enfant qui pleurait beaucoup dans la cour d'école. Puis il y avait une surveillante de dîner, au lieu de se dire, ben, elle pleure beaucoup, il y a peut-être quelque chose qui se passe, elle est comme, tu pleures trop, t'es une pleurnichante, genre, that's what she told me. Puis après, j'avais été voir mon médecin de famille qui m'a dit, en fait, textuellement, tu es trop jeune pour avoir des vrais problèmes. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque, puis j'étais allée avec ma mère, c'était même pas moi qui avais demandé à voir le médecin, c'était l'école qui était inquiet. Fait que des fois, les adultes, ils disent des choses pour invalider qu'est-ce que les jeunes ressentent. S'il vous plaît, écoutez pas ces adultes-là. Comme, quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez probablement raison de ne pas vous sentir bien, même si toute la société essaie de vous dire que c'est dans votre tête, que vous ne savez pas ce que vous dites, que c'est imaginaire. Si vous ne vous sentez pas bien, il y a une bonne raison. Puis surtout quand, en tant que jeune racisé, on nous apprend à nous excuser, à être dans la reconnaissance tout le temps, de jamais être fâché. Mais un jeune qui est fâché, généralement, il y a une bonne raison. Fait écouter un peu ce moral compass, comme Samir disait, c'est d'écouter, en fait, d'avoir confiance que si vous vous sentez pas bien, c'est probablement légitime de pas vous sentir comme ça, de vous sentir comme ça, en fait, même si les gens essaient d'invalider puis de remettre en question qu'est-ce que vous sentez. Puis au final, même s'il y a des gens qui vous écoutent pas, qui minimisent votre expérience,
allez voir d'autres personnes parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va entendre quelque part ce que vous avez ressenti. Au-delà des lois, au-delà des politiques, au-delà des règles, si vous ne vous sentez pas bien, comme portez attention à ça, puis vous avez probablement raison. Doutez pas de comment vous vous sentez. C'est très, très important de se rappeler de ça parce que les jeunes, on n'écoute pas beaucoup les jeunes dans notre société de manière générale. Puis ça, pour moi, c'est un grand problème parce que je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui militent pour différentes choses. Et pour moi, c'est des vrais leaders parce qu'ils savent des fois qu'ils ne sont pas respectés par des adultes et ils ont raison d'être fâchés, ils ont raison de remettre en question qu'est-ce que les adultes leur disent. Même si les adultes disent « Vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous dites, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites », mais des fois, les jeunes, ils ont raison. Puis souvent-même, ils ont raison. Fait que ayez confiance en votre flair intérieur. J'adore ça. Merci beaucoup, Caroline. En fait, il est 14 heures, donc je vais terminer la séance. Donc, mais merci pour vos réponses aux questions. J'aimerais remercier Caroline Souffron, Samir Shaheen Hussan et Alicia Tukapik. Nous sommes encouragés par le travail que vous faites. Et j'aimerais une fois encore remercier la Fondation RBC pour le prix généreux pour cette série. Et je vous encourage une fois de regarder les ressources sur le site web Expérience Canada. Il y a aussi un sondage pour cette session dans la boîte, donc il serait génial si vous pouvez le remplir. Et chaque semaine, nous avons un défi pour ceux qui écoutent. Cette semaine, je vous encourage à signer ou démarrer une pétition. Recherchez sur www.change.org une pétition relative au racisme ou la santé. Et vous pouvez utiliser des mots recherchés tels que la santé, racisme et Canada. Et vous pouvez signer une pétition. Et s'il n'y a pas une pétition qui correspond à vos valeurs et au changement que vous voulez voir, il faut juste commencer votre propre pétition. Ensuite, vous pouvez partager vos actions sur les médias sociaux en utilisant les hashtags, hashtag Expérience Canada, hashtag antiracisme et hashtag antiracisme conversation. Si vous aimeriez assister à d'autres conversations sur l'antiracisme dans les semaines à venir, il faut juste aller sur notre site web Expérience Canada pour avoir plus d'informations. La semaine prochaine, nous allons avoir une conversation sur les répercussions, sur la détérioration de l'environnement et l'impact sur les minorités. Une fois encore, merci d'avoir assisté et bonne journée. Au revoir tout le monde.